journal télé. Voici d'abord les sommaires pour ces grands bulletins de formation. Le port Elia, le quartier 75 du quartier Kinlaba, cité minière de Durba, sera bientôt jeté. Les cérémonies du lancement des travaux de construction de ces ports ont vécu mardi dernier par le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sourour, et exécuté par l'Union des jeunes leaders de Ouattara. Et puis le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sourourou, souhaite le vœu le meilleur à ses administrés pour l'année 2021 et qui intervient d'ici quelques matins. Cependant, il les invite au respect strict des mesures barrières afin de barrer la route à la chaîne des contaminations à Covid-19. Et puis à Issirou, l'exécutif provincial du Haut-Ouélé, conduit par le gouverneur Basséane Nanga, est très déterminé pour innover la province et la ville d'Issirou. Ce mercredi 30 décembre 2020, plusieurs activités de travaux publics, de génie civil et d'assainissement ont eu lieu à Issirou, chef-lieu de la province. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires de ces grands bulletins de formation. Devant la caméra, Eric Moukoti, derrière la caméra, Wisbro, Dieu merci, et à la réalisation Senza Zoutito. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Une fois de plus, rebonsoir et merci d'être des nôtres. Le port Elia, le quartier 75 du quartier Kinlaba, dans la cité minière de Durba, sera bientôt jeté. Les cérémonies du lancement officiel coutumière des travaux de construction de ces ports ont vécu mardi dernier en présence du chef de secteur Kibali, Dieudonné Sourourou, et la population riveraine. Dieudonné Sourourou a à cette occasion appelé les et les autres à la bonne collaboration, surtout les chefs de ces deux quartiers et les jeunes qui vont exécuter ces projets afin que ces projets puissent aboutir à une bonne fin. Suivez ici les chefs de secteur Kibali. On a un problème étant là qui. Au Bongisa, place Oyo. Alors, Katina Bango. Oui, alors, qui a poussé. Ils sont tous les conseillers, la carte de Makamo, tous les gens. Mbongo oyo pona kusala musala wana ezali mbongo na poche na ngai te ezali mbongo oyo uti na caisse na leta na 4 na 15 kusala na redevance minier tokola esika nyonso tozo kusala yango tobandi na po awa lobi lobi na kende kutia msusu kuna na kote ya paina maguma awa eloko na kosenga mingi pona ba jeune oyo bazali ba leader tant ba meki kopesa biko musala bosala motema moko tuza pona kolenga te. Na monaki ba chef ba bami ba lewa na bafanda na pesa na ba leader oyo bazalaki na posa na kosala musala na mona sima na musala maboko na bako kosala musala ni pona yango na kosenga na ba chef batwana bazali kaka bana na bino bota na musala bazo kosala ba kosala mana musubo ngai na ye ezali pona kokose premier pied na musala na pont oyo moke relier ba deux villages. Bon, eloko moko ya mabe ezali te oyo ekopesa eloko te mais au contraire ezali malamu mingi parce que bakosepela mpe lokolo kosepela mpo nani passage ekozala libre na ndenge moko ya malamu par rapport na oyo ezalaki liboso parce que omoni accident eza barapport bapesinga mingi koleka bon ozomona ezali badoliance oyo bapesaka yango efali komona projet. Les habitants que vous sirez nous quitter. Vous vous commentez moko. Tant vous allez comme mimi, n'a pas de problème. Quand vous pensez qu'il fallait tout pour maintenant tout le monde a été dans la photo, mais ma pensée est pour le discours n'a pas de la cotation en tout cas. Et qu'aux alamabé, les alika bâché, ma pensée n'a rapporté. Sur bâché, ma pensée n'a rapport. Ma coutier ma beaucoup du coin à toi. Nous avons souhaité bonne année pour la population dans le secteur Mubimba. Et puis, nous avons une population pour la fête des habitants pour nous aider à la fête. Après la fête, il y a une chose. Il fallait qu'on batte là. Nous autres, sécurité et puis santé aussi. Parce que quand on met la mingi, on est malade. Et puis, nous avons une chose. Nous avons malade pour nous aider à la présence. Nous avons une chose pour la corona. Parce que les naissements, toujours, nous avons une chose. Tout le temps.
point imibeko alobi point na bisukusukula maboko kas nini kasine pa makambo tout so sali yango te toujours kango na radio et puis toujours lobana sina lobaki libusu za répétition na osala mais na kosenga na population quand même bas dans le respect pour nokolanda yango ici. Pour M. Willy Fata, qui est le vice-coordonnateur de l'Union des jeunes leaders de Ouattara, il appelle également à son tour les usagers de cet axe à la patience, car ses travaux dureront 45 jours, a-t-il indiqué. C'est un seulement pour faire savoir l'opinion et les chefs de secteur notre monde de circonstances concernant ces belles projets qu'il nous a quand même donné, de faire le pont, de relier entre les quartiers Kine là-bas et quartier 75. C'était le mot de circonstance là que nous, je lis devant tout le monde. Bon, premièrement d'abord, pour nous paysager en Zila, Batia Moussala Ona Losambo, tous à la Unina Bango, parce que Bazali est bénéficiaire, il y a Mituba Koleka, Bamoto Koleka, Pébatoua Makolo Koleka. Ba respecter d'abord Batan Oyo Misala, Batouazo Salayango, 45 jours, Ezali Penza Mingi, Makasi Penza Te, Poba Zueloko Yamalamu, Oyo Kenon Zela, Ezala quand même na état ya bien. Monique chef Faza Kolinga Kokotsa esprit ya urbanisation na Katia Mboka ezali quand même moko ya modernité oyo ebongi ba accompagner projet wana po ekele mala. L'année touche à sa fin, mesdames, messieurs, le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sururu, a souhaité lever le meilleur à ses administrés pour l'année 2021 qui intervient d'ici quelques mois. Sponda, il les invite au respect strict des mesures barrières afin de couper court ou de barrer la chaîne de contamination de la deuxième vague à Covid-19. Et suivez ici le chef de secteur Sururu. Oui. Ngai naye ezali pona kokoze premier pied na musala na pont oyo moke relier ba deux villages. Bon, eloko moko ya mabe ezali te oyo ekopesa eloko te, mais au contraire ezali malamu mingi parce que bakosepela pe lokolo kosepela mpona nini passage ekozala livre na ndenge moko ya malamu par rapport na oyo ezalaki liboso parce que omoni accident eza barapport bapesinga mingi koleka. Bon, ozomona ezali badoliance po bapesaka yango efali komona projet les habitants que vous s'y l'ont quitté. Toujours comme ça, moko. Tant que vous allez comme mimi, n'a pas de problème. Tant que vous avez fait ça, qu'il fallait tout le monde. Tout le monde a été dans la photo, mais il va passer pour le discours. N'a pas de la cotation à tout le monde. Et que vous allez m'aider. Et vous allez faire un peu de rapport. Si vous allez faire un rapport, vous allez faire un peu de rapport. Nous avons souhaité bonne année pour la population dans le secteur Mubimba. Et puis nous avons quitté sa population pour la fête des habitants côté pour nous aussi sa Makamoto Zalinango. Après fête il y a chose, il fallait qu'on batte là nous autres sécurité et puis santé aussi parce que pour qu'on met la mingi, mais la semaine pour mettre la mingi toujours pas malade. Et puis na mi balé Zali Makamo est allé malade pour la bisou pour la présence au baki, tout mi batte là na pour la couronne. Parce que ouais les naissements toujours dans l'angoisse à ma macasse, tout tons. Oui, mi beko alobi pona bisukusu pula maboko kas nini kasine pa makambo tout so sali yango te toujours kango na radio et puis toujours lobana sina lobaki libusu za répétition na osala mais na kosenga na population quand même bas dans le respect pona kolanda yango ici. C'était le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sururu, adressant ce vœu le meilleur à toute la population du secteur Kibali et pourquoi pas du territoire de Ouattara. C'était à l'occasion de ce lancement des travaux de construction de ces ponts, tout en indiquant que cette année 2021 sera une année de travail ou une année de concentration pour le développement de ce secteur Kibali. Parlons toujours développement, dont le développement l'oblige. Parlons innovation dans les domaines de la santé. La maison médicale, communément appelée Bico Dentaire Dieu voit tout, 6 au quartier 75 derrière la mosquée. Là, nous sommes ici à Cité Minière de Durba, territoire de Ouattara, province du Haut-Ouélé, vient en rescousse de sa population. C'est dans un message de sensibilisation lancé. C'est mardi 29 décembre 2020, appela toute personne souffrant des maux des dents de venir se faire soigner tout en
profita de frais gratuits de la consultation pour Messier Boak, pour Messier Beakake et Ronaldo. Et il profite en cette occasion de signifier que le matériau approprié pour la dentisterie est déjà ici localement. Il est ici, je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par nos caméramens qui ont été dans cette structure sanitaire afin de vous recueillir les éléments. Ah, dans le quartier 75, Tofungola, ce qu'on appelle le service de soins bucco-dentaires, on va payer une combo de dentisterie, on peut faire une combo de dentisterie d'Ivoatou, c'est que Moussa a besoin de Kobinisamino, Kobongisa, na côté de Moussa, on peut faire tout ça dans le quartier 75, Simana Mosquée, Yangouan. Tout ça, on a un chef dentaire. Oui, tu bénis en français unité dentaire, nanga bénis dental unity. Quand on dit dental unity, ça dit c'est une unité. Unité, on a déjà raffermé la chaise dentaire, na tout ça na partie oyo tout ça et la kango pour na mon salle italie, ba plombage, ba nettoyage, na misala mususu na kati na monoko na batu. C'est tout ça na kamutu na catégorie na makuku azo me la biso, mais tout en respectant l'odontologie de soigner kaka bien. Malgré mon bon gens qui font soigner bien, c'est que au hasard un bon côté de soigner paye bien à foutre bisous collant dans ma coquille qu'on a ma pièce ma bouche bande de cobaya va expérimenter d'abord dans des séries de voitures et fongamaki bakangaki, mais micro tout ça vraiment opérationnel baya consultation pour tout le monde déjà pas mal soit au décider sur place ou à qui n'a bon côté aussi tout ça n'est ni mais tu as mis bango baya va expérimenter non bah moi le matériel ni ni ça. Oui, Mundele a fabriqué un moyen à 14 ans, on a 4 ans de la. Et pour l'innovation de notre milieu, cette dentisterie dispose de matériel moderne approprié, notamment unité dentaire, radio dentaire, et caméra ultra-orale, pour ne citer que cela. Et direction Isiro, l'exécutif provincial du Haut-Ouélé, conduit par le gouverneur Christophe Bassé-Anenanga, très déterminé pour transformer la province et la ville d'Isiro, pour par les travaux publics de génie civil et d'assainissement, sous l'accompagnement de toute la population et de la police nationale congolaise. Ce mercredi 30 décembre 2020, une série d'activités irrelatives ont été effectuées. Retrouvons notre confrère Assema Narife de la cellule de communication Gouv dans ses reportages. Entre 5h et 9h locales, ce mercredi, ces artères du centre-ville d'ici sont restées désertes. À chaque entrée et sortie, la police était présente pour ces petits bouclages. Pendant ces temps, la brigade d'assainissement était en exécution de l'opération Isiro propre. Kiosque, pharmacie et étalages mal placés ont été enlevés pour désengorger les trottoirs sous l'aide du commissaire provincial de la police, le général Henri Capend, conformément à la vision du gouverneur Christophe Bassé-Anenanga qui tient à la transformation de sa province et de la ville chef-lieu par les travaux publics des génies civils. Son objectif vit l'idéologie qu'il a et l'ambition de redonner l'image de la province du Haut-Ouélé et particulièrement la ville d'Isiro dans une propriété comme toute autre ville. La police est là pour accompagner l'autorité. Le directeur général de la régie provinciale d'assainissement y revient. Hier, Isiro c'était le chef-lieu des districts, mais aujourd'hui, nous sommes une chef-lieu de la province. Alors, notre problème est que nous puissions s'adapter. Le vice-gouverneur de province était en inspection des travaux publics sur l'avenue de la justice à Isiro. La chose parle d'elle-même. Le Jaoukrik, c'était un vrai slogan, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Ces travaux publics qui se réalisent actuellement faciliteront finalement l'asphaltage de la voirie urbaine projetée prochainement et dont les ingénieurs délégués de la firme chinoise Sinohydro ont été récemment à Isiro pour le prélèvement des données techniques pour se faire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais pour celles qui nous ont suivis, à Saké, je m'en vais vite à vous rappeler quelques titres qui l'ont constitué au sommaire. Les ports Elia, les quartiers 75 d'Ikin là-bas, en cité minière de Dourbassise, sera bientôt jeté. Les cérémonies du lancement des travaux de construction de ces ports ont vécu mardi dernier par le chef de secteur Kibali Diedone Sururu et exécuté par l'Union des jeunes leaders de WhatsApp.
Le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sururu, a souhaité le vœu le meilleur à ses administrés pour l'année 2021 et qui intervient d'ici quelques mois. Cependant, il les invite au respect strict des mesures barrières afin de barrer la route à la chaîne des contaminations à COVID-19. À Issiro, l'exécutif provincial du Haut-Ouélé, conduit par le gouverneur Basséane Nanga, très déterminé pour innover la province et la ville d'Issiro. Ce mercredi 30 décembre 2020, plusieurs activités de travaux publics, de génie civil et d'assainissement ont eu lieu à Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Eric Moukoti, mesdames et messieurs, était à la présentation. Réalisation et à la technique Nzanzo Tito, et derrière la caméra c'était Wisbrodie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle chapeautée par Gloire via vous, Moïse Moussan Zaliré, Héritier Moga et tous les autres. Merci chers téléspectateurs et également meilleurs vœux à vous tous et à vous toutes. Le devoir, c'est votre droit. À bientôt, les journaux.